place au nouveau candidat. Dans le premier épisode de la 7e saison de Marié au premier regard, diffusé le lundi 20 mars 2023 sur M6, les téléspectateurs ont pu découvrir un casting inédit. Parmi les participants en quête d'amour, Fabrice. Compatible à 74% avec la jolie Annabelle, l'homme de 43 ans semble avoir eu le coup de cœur pour sa binôme. Malgré cela, son comportement a fortement déplu aux téléspectateurs de l'émission qui n'ont pas manqué de l'afficher sur les réseaux sociaux. Au cœur des débats, sa relation visiblement ambiguë avec sa meilleure amie Céline. Accusé de ne pas être sincère avec Annabelle, Fabrice a tenu à s'expliquer auprès de Télé Loisirs ce mardi 21 mars 2023. Déterminé, il a assuré ne pas éprouver de sentiments amoureux pour son ami. Je suis fils unique et n'ai pas une famille très large. Mes amis ont une place importante pour cette raison. Céline, si est-y une amie incroyable. Si est-y la première personne que j'ai connue quand je suis arrivé à Montpellier. Elle m'a beaucoup aidé. On a une relation de grande sœur à petit frère, a-t-il expliqué dans un premier temps. Pour lui, la différence d'âge est en effet beaucoup trop importante et surtout, aucun d'eux n'est attiré par l'autre. Elle a 7 ans de plus que moi. On s'entend très bien mais en calculant son âge, on comprend tout de suite qu'on a une relation de frère et sœur, mais pas plus. Elle n'a pas les mêmes objectifs dans la vie que moi. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, a-t-il ajouté. On est des gens intelligents. Un autre détail a soulevé les interrogations des téléspectateurs, à l'annonce du mariage imminent de son petit-fils, la grand-mère de Fabrice a immédiatement mentionné le prénom de Céline. Ma grand-mère n'avait jamais vu Céline, mais elle en avait beaucoup entendu parler. Je pense qu'elle l'a idéalisée un peu et qu'elle n'a pas réfléchi à cette histoire d'âge, a supposé le candidat. Et pour ceux qui pourraient penser que la relation fusionnelle entre Fabrice et sa meilleure amie risquerait de détruire son couple, l'homme est formel. On est des gens intelligents. Céline n'est pas le genre de personne à s'imposer. Moi, si est-y pareil. Je pense qu'il y a largement la place pour une épouse, mes potes et mes copines, a-t-il conclu. Reste à savoir si Céline est de cet avis.